Donc je suis chargé de projets artistiques et programmation musicale. Et à ce titre, j'ai fait cette année-ci la programmation des Doux Vendredi Doux, qui est un festival qui existe depuis 3 ans. Et comme son nom l'indique, ça s'étend sur plusieurs vendredis du mois d'août. Et ça se déroule dans une salle assez typique, qui est le foyer du théâtre, donc c'est la partie bar, qui au théâtre de Namur, qui est un théâtre à l'italienne, est une salle avec une fresque au plafond, un très haut plafond, des lustres, des dorures, etc. Et l'envie était de créer un festival axé sur la découverte, sur, comme le nom doux l'indique, enfin l'adjectif, de faire de la musique plutôt intimiste et de faire quelque chose un peu à l'inverse des festivals que j'aime beaucoup et que je fréquente assidûment, mais qui se passent en plein air, sur plusieurs scènes, avec plusieurs groupes. Donc c'était de faire une soirée avec 2-3 groupes et dans un cadre où tout se passe sur la même scène, dans une petite salle où on a une jauge de 200 personnes. Avec la terrasse, pour ceux qui connaissent le théâtre, donc qui est au premier étage, qui donne sur la place du théâtre de Namur. Et donc voilà, ici la 3e édition, on fait 2 groupes, plus un DJ set. Donc c'est Elle de Luxe, Elena la chanteuse de Superluxe, qui assure les afters. Et c'est un peu notre marque de fabrique. Et en général, jusqu'ici et encore cette année, ce sont chaque fois des groupes avec une présence féminine assez marquée. On est vraiment arrivé assez vite en fait sur la place du théâtre. Et en fait, le lieu nous a charmés. Ça nous a fait penser en fait à la préfecture de Nantes, parce qu'on a joué pour la fête de la musique le 21 juin dans la préfecture de Nantes, et c'était un peu le même cadre magnifique, voilà, ample, réverbérant. Ce projet, il est dans la lignée de ce que j'aime faire, c'est-à-dire des chansons pop quand même, rythmiquement pop, mais avec empreinte d'une mélancolie assez forte. Comme pour Boy ou pour Miel, on est là et il y a une fragilité. Qui est au premier plan, mais la force est derrière. Mais sans doute, ce qui nous rapproche aussi, c'est le fait de donner cette intimité au public, sans aucune pudeur, et voilà, il faut y rentrer. Je pense que quand tu écoutes des disques, tu ne le fais pas sur la géographie, mais sur des goûts. Avec De Rodeo qui est français, ce soir on a Boy qui est français, puis on termine sur que des groupes belges, donc Miel, Joy, le projet de Mark Huggins de Vénus, enfin ex-Vénus, Nel Vandenbroek, etc. Mais voilà, c'est en fonction de coup de cœur, c'est pas du tout le but de dire voilà, c'était un festival avec des groupes belges ou pas, avec des groupes qui chantent français ou pas. Enfin, mon écoute n'est pas sélective dans ce sens-là. Voilà, je suis Namurois d'origine, j'habite Bruxelles depuis 12 ans et je me réjouis de voir que Namur revit enfin un petit peu. Et donc ici, le théâtre de Namur met à disposition tout simplement sa très belle salle, son bar, pour faire des concerts tout doux qui font du bien aux oreilles. Je recommanderais les Vendredis Doux parce que c'est mieux qu'un calmant.
Et c'était assez intéressant, cette programmation un peu décalée comme ça, en plein mois d'août comme ça, au lieu d'aller dans les festivals où il y a beaucoup de bruit comme ça. Ça peut être un peu intéressant comme ça de faire des choses un peu plus calmes comme ça. On est sur une terrasse comme des VIP et tout, il fait beau. Il y a du sable chaud là ici en dessous et c'est chouette quoi. À 3 éditions, ça reste un très jeune festival avec des remplissages assez variables, mais une conviction intacte.